À présent, ici c'était bon matin, nous pour commencer nos topics conversation. Et aujourd'hui, dans le topic conversation, mon plaisir pour accueillir Monsieur Mohamed Azar, qui est déjà venu dans nos programmes. Et aujourd'hui, il peut venir encore pour une cause, l'aube en assise la santé. Alors, Monsieur Azar, bonjour et bonjour. Bienvenue dans nos programmes. Comment ça va? Ça vient. Ouais. En tout cas, mon salut, sa peuple, ces Chinois-là, mon frère, soeur et les enfants chinois, que les bénédictions d'Allah soient sur vous. Et au nom d'Allah, mon prophète, explique-je aujourd'hui ce qui m'est capable, en ce qui concerne, pour commencer, comment nous vous causons l'eau du miel, nous vous causons l'eau de l'huile d'olive, nous vous causons l'eau du lait, il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Mais les bons qui m'ont attiré toute l'attention, laisse-moi expliquer un petit guide le dilé qui problème maintenant. Oui. Dilé, c'est un aliment qui dit moun boit, tout dit moun boit. Mm-hmm. Mais qui dilé qui nous boit? Nous boit dilé de la vache. L'étant un enfant liné, un enfant humain liné, li petit, li pèse à peu près 1,5 kg, 2 kg. Mais par contre, à l'étant un vache, li donne petit, un veau, il pèse environ 100 livres à la naissance, ou bien un peu moins, mais à peu près ça. Et il boit tous les jours, à des repas, 2,5 litres d'ilé le matin et 2,5 litres d'ilé le soir. Maintenant, nous, si nous prenons ça d'ilé-là, nous boit, il nous donne nos enfants, qui veut dire, nous peut mettre nous en compétition avec la vache, parce qu'il y a une affaire qu'on appelle, je t'appelle le facteur de croissance. Que trouve ce facteur de croissance-là? Parce qu'au bout d'une année, un veau, il met 1 kilo par jour, il pèse à peu près 365 kilos. À ce là où on prend de nos enfants? Aux enfants, au bout d'une année, ils pèsent à peu près petit, ils pèsent forcément 5 à 10 kilos. Mm-hmm. Mais qui est arrivé? Les bons qui disent qu'on comprend. Je dis, je ne donne ni, je donne ni gilet la poudre. Il y en a beaucoup qui disent, ils disent, moi, nous donnons gilet la poudre. Moi, je dis, bien, bon, ok. Mais vous connaissez comment faire gilet la poudre? Mais ici, c'est celle. Nous pas servi. Il part commun pour nous servir d'huile liquide, hein. Nous servir beaucoup plus, d'huile en poudre. C'est ça. Je te reconstitue. Je te reconstitue. C'est qui mauvais. C'est qui mauvais. C'est, où peut, le temps où peut, consommer le lait en poudre, c'est là, où peut reconstituer l'huile en liquide, où peut réamener ça d'huile crie là. Les crie. Parce que la poudre, il fait, le temps où évapore un gallon, d'huile, je te retire ça de l'eau-là, sous pression, à une température bien bas. Alors, parce qu'il est sous pression, il est évaporé, il vient de la poudre. Mm-hmm. Mais l'état, on reconstitue lui, on peut reconstituer le cri. Et dans sa facteur de croissance-là, jamais on peut vous isoler pour boire. On prend, on met dans l'outil, on boit lui. Sa facteur de croissance-là, il continue, il reste là-dedans. Qui m'a dit, mon cri? Cri, mais pas une gang, ça m'a dit, un gang process. Oui, il est dans le process. Il ne pas détruire sa facteur de croissance là, qui trouve dans la graisse d'animal, dans la graisse du lait. Parce qu'il ne pas oublier. Il crie, lui. Et ça va, ça vaut là. Les gens, ils boivent. Ils boivent, ça dit, ils crient là, lui. Donc, il est dans ça. Les gens, ils mettent poids, ils mettent tous les jours 1 kilo. Mais aux enfants, pas mettre 1 kilo. Ils mettent quelques grammes par jour. Alors, qui est arrivé? Les temps où prend lui. Maintenant, aux enfants, ce squelette, lui petit. Le squelette du veau, lui grand. Au bout d'une année, il devient beaucoup plus grand. Qui veut dire que c'est le calcium qui vous prend dans dilé qui est là. Il passe à travers ou porosité ou intestin grêle. Il le dépose dans une colonne vertébrale. Vous comprenez? Il le dépose dans un bon joint. Les temps où grandit, les temps où vient, ou à l'âge de jusqu'à 40 ans. Mais après 40 ans, ou senti douleur partout, qui fait? Parce que ça a accumulé. Dis-le qui fait ça? Mais dis-le qui fait ça. Pas
Pas à fait... Non, dis-le qui fait ça. Parce que c'est la graisse animale. Sa facteur de croissance-là trouve dans ça la graisse-là. Qui est nocif à votre santé? C'est la mauvaise cholestérol. La graisse animale. Pas nécessairement, dis-le. Cholestérol... Oui, la graisse animale. Dans la viande, là aussi, si vous mangez uniquement seulement la graisse, vous pouvez avoir un problème. Parce comme si vous pouvez dire, nous, dis-le en poudre, pas bon. Dis-le en poudre, évitez. Ou capable de servir, mais vous avez besoin de bouillir. Et quand vous bouillir, il faut former la crème. Ça, là, là où détruire ce facteur de croissance, là. Vous capable de faire. Ça, la, ça, la graisse. La graisse, là. Oui. Ou capable de tirer. Ou faire monter vase, ben, à dire. Parce qu'il fait, il y a un facteur de croissance, ça trouve là-dedans. C'est ça qui, grandit un veau, il fait livrer une belle. Et il y en a beaucoup de calcium. Ou l'écho absorbe, par contre, calcium végétal, c'est seulement 70%. Et dans le miel où il y a, le calcium présent, 70% est absorbé par l'écho et l'utilisé dans l'écho, dans le système de croissance, pour où personnellement. Parce qu'il au moment, pas voli. Le veau, ce moment, c'est la vache. Ou pas capable de mettre nous en compétition avec le veau pour adopter lui comme au moment. Mais non. Monsieur Hazard, ça veut dire, on peut dire que nous, autant que possible, servi dit les liquides. Oui, les temps prend. Non, même si vous reconstituez dit, vous besoin bouillir les là où consommer. Si nous peut servir dit les en poudre bouillir. Bouillir. Tu es un facteur de croissance là. Tu es dit. Mais ben dit les en poudre qui comment il appelle là. Je te constituer, je te faire. Il n'a pas la graisse là. Oui. Il n'est pas appelé ça là. Ici résilé là. Un brand résilé. Oui. Skim milk, voilà. Ben, skim milk. Oui. Mais il y a aussi besoin de bouillir. Il y a aussi besoin de bouillir. Tout ça la bouillir. Oui, il y en a. Parce qu'il n'est pas 100% skim milk. Il y a encore, il y a sa facteur de croissance là-dedans. Parce qu'il fait, ou pour grandir, ou pas pour grandir, à l'allure de sa, de veau. Ou pour grandir petit à petit. Parce qu'il bondit une ferroule d'une telle façon, où l'écho est capable d'absorber certaines quantités de calcium pour commencer, parce qu'il fait calcium pas oublié. Le temps où prend lit en excès, il y a le dépôt au sein. Ça coûte la France 15 milliards d'euros seulement pour traiter ban sein, ban homme, pas femme. Et remarque bien, ban du monde qui boit du lait en excès, je bois yoplé, yaourt, je mange pas produits laitiers, tout cela. Qui ont remarqué? Mon remarque ici en Seychelles, il y a l'obésité. Où trouve une madame, je grandis, ça grandit à elle-même. La hanche grandit à elle-même. La coupe, qu'est-ce qui arrive? Et parce que tu dis gros os, ça? Dis-le qui fait ça? Lélé qui n'a beaucoup l'effet à ça. Lélé n'a beaucoup l'effet qui n'est pas de quoi que ce soit. Après lélé, on gagne le sucre. Ça y a un problème aussi. Ça aussi est notre problème. Mais lélé, il y a un problème. Mais qui nous pour faire? Nous besoin de boire, dis-le. Oui, mais au boire, ou comment dire, ou boire quelque chose qui n'est pas pour nocif à votre santé et qui n'est pas pour faire vous grossir. Mais par contre, si vous boire, ça dit les reconstituer cru là, c'est pour comment dire, ou tous autres grandis là. Vous remarquez à Seychelles, on remarque beaucoup, il y a l'obésité. Et l'obésité, c'est ça qui nous ramène beaucoup, qui nous appelle les maladies de civilisation. Ou il y a l'obésité pour amener nous. Ou pour gagner comment gagner tension, ou pour commencer un problème cardiaque, parce qui fait, ou ban système, ou ban vaisseau sanguin, il arrive parfois d'y bloquer. La mauvaise cholestérol, la LDL cholestérol, il dépose dans vos parois. Achetez si vous prenez, ou pour ou capable de gagner sauver de ça, qui vous fait, bon Dieu, de nous, ce que nous appelle l'huile d'olive. L'huile d'olive contient phénolique acide. Phénolique acide a un effet le water. Il augmente l'élasticité water. Donc, si water est bloqué, qui est causé par ben, la graisse animale, là, et la mauvaise cholestérol, le temps où on prend de l'huile d'olive, ou water,
Son élasticité grandit. Mais comment qu'on fait comme si j'avais de l'huile d'olive là? Allez, donne une petite recette. Attends, comment pour expliquer, Antigine? Oui. De l'huile d'olive, c'est quelque chose, si vous pouvez un peu dans la religion partout où nous trouvons, dans la religion musulmane, dans chapitre 24, verset 36, bon Dieu dit comme ça, l'huile d'olive, il appartient à un arbre béni. Ou pour trouver un peu, même un dimoun, le temps li pour aller prendre un sacrement avec le prêtre, li prend de l'huile d'olive, il met en la croix dans cela. Donc, le temps fait couronnement, ben, les rois, ça, tu commençais par Salomon, parce qu'il, bon Dieu, tu fais révélation à Salomon, qui de l'huile d'olive, bon pour lui. Alors, qu'il doit faire, le service, ça, pendant qu'il doit faire, the crown people. Vous connaissez le temps où la reine d'Elisabeth, le temps où elle était couronnée, elle servit de l'huile d'olive. Elle servit de l'huile d'olive, elle pas saoule. Non, mais donne-nous une recette là, qui n'a qu'à pas servir, un petit peu pratique, avec de l'huile d'olive et 10 000. Oui, maintenant, je peux expliquer quoi on a fait. Parce que moi, je n'ai pas partout. La dernière fois, je dis à Bandimoun, pour commencer, nous devons prendre un de l'huile d'olive qui est dans une bouteille opaque. Qui ou pas capable, que la lumière pas capable pénétrer. Parce qu'il est en point une bouteille d'huile d'olive, ou guette à l'arrière, côté n'a précaution, il dit, ou keep away from heat and light. Mais n'a pas de l'huile d'olive, faire une bouteille en glace. C'est ça qui me dit pour dire, ou. Pas bon comme si. Pas bon, pas. Il pas bon pour vous. Mais qu'il, tout ça fait pas bon, là. Achetez-moi expliquer une affaire qui fait. Il est bon qu'il m'a expliqué, on pas dire, ou si c'est pas bon. Moi, je pour vous qu'il est pas bon. OK. L'huile d'olive, il fabriquait des fruits d'olivier. Ça va dire, les olives là, je te lave. Les là, ce qu'ils ont fait, c'est ça, je te fais un tri, je te lave, je te crase. Soit je te crase dans le système, comme avant, avec une pierre, ou bien je te servis une machine pour coupler et craser en bout de bout. Les là, qu'ils ont fait? Je prends la pâte qui gagne là, je te laisse y reposer. Ça va une globule de l'huile là, il y a aggloméré, il vient un peu gros. Et là, je te mets l'huile sous pression, je tire ça de l'huile d'olive là. De l'huile d'olive, il plie les œufs qui de l'eau, ils sont aussi là-haut, en bas, où gagne de l'eau. Mais maintenant, dans ça, la pâte qui restait là, ça contient 10 à 20 à 15% de l'huile d'olive. Mais ben n'a pas cette lise. Qui je te fais? Je te servis ben produit chimique pour extraire l'huile. Donc ça de l'huile qui je te gagne de ça produit chimique là appelle peau masse. Et ça l'est nocif à vous sentir parce qu'ils ont servi ben produit chimique. Mais ça l'huile d'olive qui m'ont dire où acheter, c'est First Express Virgin Olive Oil. Ça, il contenait de suspension végétale. Parce qu'il extrait de la plante. Et ça, avec la lumière, il dégénérait, il dénaturait. Étant dénaturé, il devient toxique à l'homme. Alors, c'est pourquoi Oléic International, c'est une organisation mondiale, internationale, dans laquelle il met la loi. Mais même ça, il dit pareil, comment on prend une cigarette, des cigarettes, on mettait qui l'innocent. Mais ça, dit mon acheter le bois pour 40 personnes, ou pas capable. Ça veut dire, petit nous, rôde de l'huile d'olive qui, par exemple, dit, là, qui est encore vierge, comme si, sa première batch qui perçait, et son bouteille, pas supposé, un bouteille transparent, il devrait être un bouteille, qui. Un bouteille noire. Noir, qui n'a pas gagné, pas gagné accès avec, la lumière soleil direct, hein. Ouais. Présent, pour... qui, à cause, nous n'a pas beaucoup de temps, M. Hazard. Dis-nous, ok, là, il y a des différences. Un nid de bouteille claire, un nid de bouteille qui est noire, ou pas voir ça de l'huile. Qui est capable de faire un petit recette bref de l'huile d'olive avec 10 000? Oui, est-ce que vous pouvez ce qui m'ont fait avec expérience. Oui. Moi, je vous dis, parce qu'il est temps de prendre de l'huile d'olive et le miel, ou pour trouver qui est bon pour vous santé. Ou pour perdre du poids. Qui manière faire? Normalement, on prend une grosse cuillère. On prend une grosse cuillère, on met un peu de miel au sang.
là où prend environ 24 mg d'huile d'olive, ça veut dire une cuillerée à bouche de l'huile d'olive, First Express, Virgin, ou mettre dans sa cuillère que tu mets ou mettre ça 10 000 là. Là où prend un peu cannelle, ou prend une pincée cannelle, ou mettre l'eau ça. Là où avale lui. Le temps où avale lui, on envoie lui à l'intérieur ou la bouche, parce qu'à l'aide de ou la langue, ou pour envoyer lui dans ou là pour descendre dans ou l'estomac. Il pas pour, qui fait moi dire où mettre ça de 10 000 là, parce que pour pas endommager, pour pas enflammer ou boîte vocale. Sinon, parce que cannelle enflamme boîte vocale. Le temps où vous pouvez ça, pas seulement qui ou pour être à l'abri de cette maladie là, mais si vous avez des gens qui obèse ou pour perdre du poids. Boire de l'huile d'olive fait ou perdre du poids? Oui, ou pour perdre du poids. Combien de fois vous supposez faire ça? Ça. Au commencement, ou pesez où? Là, tous les jours, vous avez fait l'huile le matin à jeun. Au moins 15 à 20 minutes avant que vous preniez le petit déjeuner. Okay. Et le soir, avant vous dormir. Comme ça, il est capable de travailler dans vous, il est absorbé dans vous les corps. Ok. Alors ça, un bon petit conseil, là, que vous pouvez donner. Tous les bons matins, 15 à 20 minutes, avant le moins quelque chose, l'estomac vide, à Zepa nous dit, une cuillère de l'huile d'olive avec ou du miel, avec un petit peu de cannelle, si on en a. Il va aider. Ouais. Un bon petit recette. Et nous le terminons le dilé. Hein? Ouais. À cause de l'huile d'olive, nous les à cause de là avant. Qui les autres options, disons, est-ce que il plus bon servir les autres qualités dilé, pareil, soya milk, ou soit allemand. Oui, oui, exactement, c'est ça. Ça ou qu'on prend. Il plie bon qui s'abandonne dilé. La vache là. Oui. Parce qu'il fait, l'été on prépare amande. On peut prendre la, ça, c'est même si c'est la dilé allemande, c'est la graisse ou puis ici. Végétale. Un petit litre. Ok. La graisse végétale, l'homme, les concevoir 70 à 80% sur le corps absorbé. Et pas oublier, calcium, il y a une affaire qui est très, très importante. Le comparer avec la graisse d'animal qui absorbe seulement 30%, il y a un facteur de croissance là qui est dans l'animal. Et de l'autre côté, il y a absorbé. Et calcium, il y a une chose qui est vraiment nécessaire pour l'homme. Parce qu'il aide où? Li aide au système, nous man squelette, nous man les os, les dents, ça li bon. Mais si vous prenez 10 000, dans 10 000, les dents déjà. Oui, dans 10 000, les dents en calcium. Ouais. Dis-le, si vous pouvez choisir, est-ce qu'il est préférable, en termes de la santé, plus bon, pour servir dis-le liquide, ou soit dis-le en poudre? Oui, ou capable de servir en poudre. Mais le, en poudre, que vous faites? Ou reconstituer li, retourner, faire dire. Mais bouilli. Bouilli alors. Bouilli, si c'est ça la crème là, ou bon autant que vous ça. Parce que. Mais ça la crème là, pas bonne vitamine. Ça alors. Même qui est une crème qui est plus dangereuse. C'est même qu'on appelle la graisse animale. C'est ça la mauvaise cholestérol. C'est ça qu'ils ont fait menter que vache avec. Ok. Mais yaourt, yogurt. C'est ça le problème. Le temps, ah bon, le temps où ça pète d'un côté, où ça pète là-haut, où t'es en bas, où t'es dans le pied, où t'es n'importe partout. C'est pourquoi, moi, je dis comme ça, tellement du monde consomme le produit laitier d'une façon ou d'une autre. Soit je prends les, comme dit les, dans du thé, je te mange comme yaourt, je te bois les comme yoplé, je te mange un gâteau qui est dans du lait, mais qui peut arriver? Comme si on peut dire, nous peut dire, yaourt aussi pas bon. Là, où ça, où c'est encore plus pas bon. Mais là, mais la ministère de la Santé dit, pour exemple, mange oui, yogurt. Oui, il dit, vous prenez la route qui fait, vous prenez la route, un tigine, un ça. Parce que nous pas réaliser quelle quantité de produits laitiers nous prend par jour. Comme si vous prenez un yogurt tous les jours, il n'est pas bon. Non, non, pas bon, pas bon. Vaut mieux pas prendre. OK. Parce que ce qui fait, il y a un cholestérol. Il y a une, la mauvaise cholestérol. Parce qu'il y a une, sa partie qui contenait sa facteur de croissance là. OK. Mais les bons prend lui parce qu'il fait de l'autre côté. Mais si vous pas prend ou pas pendant toute une journée ou boire yoplé
ou prend yaourt ou boire, ou bien on rentre dans la pâtisserie, ou acheter gâteau, ou manger, même ou aller, qui peut faire? Ou peut accumuler calcium dans l'écho. Ou l'écho n'est pas capable d'absorber ce calcium. Et calcium n'est pas dissous. Donc, quand il y a il est ramassé partout. C'est pourquoi moi j'ai eu mon remarqué à Seychelles, je bois beaucoup ce même produit là. Les temps je bois ben produit laitier qui nous vient pas. Faudrait nous contrôler nous laitier. Les là où pour contrôler l'obésité, ou les là où pour venir où pour résoudre problème nous pays, nous pour résoudre les maladies non transmissibles. Combien qui quantité d'îlets pour encourager pour un dimoun prend par jour? Un dimoun s'il prend, disons s'il prend un yoplé, il est ok. Assez. S'il pas dit moins, le matin, il prend des gros couillers d'îlets, il met dans ce d'îlets pour, il pas pour boire d'îlets noir. Non. C'est, au contraire, à la place de ça d'îlets là, ou faire ou d'îlets noir, ou laisser refroidir, mettre un couillère de miel là-dedans. Ou pas mettre couillère, ou pas mettre d'ici. De l'autre côté, le temps, on peut mettre 10 miel. Qui peut arriver? Le miel, il contenait 64 calories par cuillère. Mais même le temps, on prend 10 cycles, 10 cycles contenait 46 calories. Mais quoi que la valeur calorifique, le miel, il est plus doux. Et de l'autre côté, pas oublier le temps, on peut prendre 10 miel. On peut prendre ça 10 cycles là, ensemble, dans l'audité. Alors, qui est arrivé? Il y en a beaucoup le miel, il y en a beaucoup de produits, il y en a beaucoup d'enzymes, il y en a beaucoup de bienfaits ou la santé. Donc, qui veut dire, les temps, on peut couper du lait, on peut couper en même temps avec, on peut couper le sucre. On peut remplacer avec 10 miel. Ou remplacer avec ça 10 miel. Ça veut dire, en conclusion, nous dit qu'il est conseillable comme si pour pas servir 10 miel le bon matin et éviter pour une quantité de lait. Ou dit avec nous, dis-les en poudre. D'ici que les sous-cartes, les nets, ouais. Autant que possible, ou à gagner dans les autres quelque chose. Soupe-pain, dis-les en poudre, qui majorité nous servit, c'est celle, ou dit, il faut de bouillir après, ti, ça la graisse l'eau là. Exactement, exactement. Ça même qui vous dit bien. Alors voilà, on bien comprend. Mais on peut commencer. Et que le peuple, c'est chez l'eau, réalise. Oui, oui. Mon papa a beaucoup dit, mais seulement, d'un bon matin, petit guédis pour salidité, par nous dit, en peine, mais seulement, mon croyant, un bon conseil, peut-être, nous pas réalise l'importance du miel et de l'huile d'olive, oui. Et réduit du lait. So, bon conseil, mon ça vous deux questions un petit peu plus, mais seulement, nous avons un autre invité, alors nous l'étant un petit peu coincé, mais seulement tout de même, pour partager ça avec nous, il y a aussi sa livre qu'on a mené là, et au dimanche, on présente ça avec le gouvernement CCL pour mettre dans l'école. Oui, oui. Qui cause le tout bon plante, tout sa plante qu'on a amasiné, et bien, plante la plupart tropique, dans quelque chose qu'il y en a ici, qui m'a dit, nous devons consommer, qui m'a dit pour aider nous la santé. Monsieur Aza, merci. Merci. Pour venir, et à la prochaine fois. Et moi, espérer bientôt, si l'occasion est donnée, peut-être, moi, capable, parce que j'en ai beaucoup, moi, il y en a beaucoup. Moi, je suis l'île Maurice pour partager nos connaissances à mon frère, chez loi. Et mon soeur, chez loi, mon enfant, chez loi. Oui. Parce que nous sommes des frères. Merci bien. Et, bonne fin de journée. On a besoin, peut-être, à la prochaine fois. Et nous, d'un petit moment. Merci. Oui. Je remercie beaucoup le Seychelles Broadcasting Corporation pour que je puisse avoir de moi l'occasion pour au moins être capable de partager un petit peu de mes connaissances. Parce que moi, j'ai 72 ans, je fais 50 années de recherche, je suis membre de l'Académie royale de chercheurs. Alors, c'est préférable qu'on partage la connaissance avec le peuple. Nous apprécions ça. Beaucoup. Merci. À présent, c'est M. Soudan, un homéopathe qui est avec nous dans le programme. Ça veut dire qu'il y a des gens qui étudient l'utilisation de plantes, de façon pour capable servir de l'artisan avec à la base plante, pour ne pas servir de l'artisan conventionnel qui nous connaît, qui a fait de laboratoire. Donc, so, M. Soudan, bienvenue. Ou pour causer un petit peu avec nous, qui m'a dit nous capable contre la cour même, guérir certains bonnes maladies, bonnes conditions, sans besoin nécessairement
à prendre seulement la tisane de pharmacie. Alors, on nous commence à causer un petit peu l'eau là tout. D'abord, bonjour, ben téléspectateurs. Bonjour, tous ben frères, sœurs et ben enfants. Je souhaite qu'ils vous portent une attention spéciale, puisque la santé, c'est une affaire qui est dans la main. Mm-hmm. Au nom de Dieu, le gracieux, le miséricordieux, c'est un Dieu qui nous crée une si belle nature. Après qu'il nous crée sa belle nature-là, il finit créer l'homme. Quand il finit créer l'homme, il finit créer une provision pour être capable d'approvisionner à travers manger, boire et tout le monde. Mais là-dedans aussi, il y a une certaine modération. Oui. Tout ça fait qu'il nous consomme une certaine limite, comment dire, dépassée. Li amène une mauvaise conséquence quelque part. Mm-hmm. Nous commençons là tout. Nous commençons là tout. Pour là tout sec ou bien pour là tout flemme. Mm-hmm. Et une petite affaire simple qui nous gagne dans le bazar et souvent des fois ben dit une plante li que Dieu il appelle ditin. 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 Alors ditin si ou infuse deux branches seulement, lave-les bien, bouille de l'eau, on peut expliquer. De façon qu'il y a des gens qui comprennent bien. Mm-hmm. Bouille de l'eau bien, mets des branches d'étain qui sont bien lavées dans une tasse, renverse de l'eau là-dedans, laisse-les pour 5 à 10 minutes, ça s'appelle une infusion. Mm-hmm. Qui fait, moi, explique ça. Parce que parfois, si on bouille ça, des branches là, ça va une valeur nutritive et aller. Pas bouilli. Bah oui, on dit effusion. On avait dit on met de l'eau bouillante. Moi, quand ça dit mon enfant, ça bien. Ah. Alors, effuse des branches d'étain. Oui. Le soir, une demi-heure avant de dormir. Oui. Si un dimon gagne la toux, dans 3 jours, ce tout c'est bien fini. Avec zissa d'étain. Zissa d'étain. Non, il y a encore. Non, il y a non. Ça calte la toux, ça la toux. Sec la toux, flemme. Sec ou bien flemme, n'importe. OK. Ça, c'est une affaire. Okay. Avec sa d'étain la même astère. Zissa soir, hein? À soir. Parce que. Quand on ou à l'étude ou à l'étude. Pourquoi à l'étude? C'est un problème. Okay. Mm-hmm. Deuxième affaire qu'il y traitait encore, c'est un dimon si on a la fièvre forte. Mm-hmm. Sorry, ça dit-il encore. Alors, les enfants, tout? Les enfants, c'est capable. Capable boire. À partir des ans, ils capables. Oui. Il n'y a pas de problème. Mais là, pour moi, on peut garder là tout. Hein, on peut, parce que ça dit-il là, il y a une affaire naturelle. Oui. Et nous, les corps, les naturels, quand on peut traiter naturellement, mm-hmm. et son efficacité est l'autre. OK. Hmm? Deuxième affaire qu'il est traité, c'est quand on peut faire un lafé fort. Oui. Quand on dit qu'on peut faire un lafé fort, il panique. Oui. Première affaire qu'il faut faire, contre la cour, contre la case, c'est un fils d'étain, il boit. Il est allé pécain contre l'hôpital, ce lafé finit baisser. Parfois, le docteur a demandé, vous pouvez faire un lafé ou? Alors, ça, c'est votre first aid, pour nous dire. Ben, premier soin. Avant qu'il y ait un dégât dans la santé. Mais c'est moi, la fièvre, il y a une maladie. Il y a une indication qui il y a quelque chose qui fait masser, car on a quelques infections. Exactement. Alors, ça dit un, il pousse, baisse ça la fièvre. Vous baissez la fièvre. Alors, c'est température qui est contrôlée. Oui, ça a l'autre infection, vous pousse le jeu pour le rôder lequel. Exactement. OK. Ne pas dire, passer la vie dans une médecine conventionnelle. Ne pas dire ça. Mais ce qui nous peut dire, autant possible qu'il y ait traite naturellement. Mm-hmm. Troisième affaire, à travers ditin, c'est généralement un dimon quand il est stressé à Zodi, docteur dit open remède. Docteur conventionnel, moi vous dis, dit open remède. Oui. Mais bon, il a déjà fini de donner un remède naturel dans la nature. Mais quel est ce remède? Ditin même. Ditin pour stress? Ditin, il est déstressé. Ah! Dit-il est déstressé, asseoir pour dormir un sommeil allégé, comme si dirait. Ah oui, un petit baba. Oui, ou bien un tracas, comme on dit, pas de mort, et bien les enfants. Mm-hmm. Quatrième affaire, c'est. Et moi, m'intéresse que ça bout de stress là, hein. Oui. Monsieur Soudan. Oui. Comme si vous boivez dit-il, et demi-temps pour le voir dormir, ou pour relax. Ou pour dormir bien. Exactement. Pas pour manquer la paix après là. Là, moi, à la maison, on est 3 heures, bon, pas pour manquer. Non, mais vous avez été un petit alarme, quelque part.
qui te fois. Mais c'est moi faire dormir bien. Il fait dormir bien. Mais de la journée aussi sous fatigué, connaît là la fatigue ou qu'à prendre de la journée aussi soit ça. La journée capable prendre la journée. Avec du café fils lui mettre dans bouteille. Oui. Boire un petit guide de la journée. Capable boire. Mais combien de jours qu'à boire ça? Un an, deux ans, on capable boire dit non. Même. Non. Il est capable d'un side effect, pas side effect tout à fait. Oui. Mais comment dire, il est capable diminuer la force d'un homme. Quelle est la force pour cause la force pour cause sexuelle par moi dire. Ah yo yo, mais ça un problème. Mais il pas besoin prendre trop beaucoup à aller même. Mais s'il vous plaît, oui. N'importe qui ça fait naturel si. Tout à l'heure moi pour cause un petit peu le comment on traite le diabète. Mais écoute non, écoute un coup là, dit-elle, moi suis content dit-elle seul coup. Mais là comme si moi commence inquiète l'autre dit-elle. Non, pas besoin d'inquiéter tout. Oui. Comme on dit tout à l'heure, tout à fait, nous vous infélions avec. Oui, mais combien de temps, disons, sur allez, 3 jours, 4 jours, 5 jours, nous faisons une semaine, nous posons. Après une semaine, posée. Posée, la deuxième semaine, nous prenons un petit temps encore, si pas la quatrième semaine. Mais il n'y a pas une autre affaire qu'on apprend, soit il peut diminuer ça la force, ou il peut dire, il redonne à la force. Et il y a une affaire qu'on diminue elle-même. Diminue elle-même. Diminue elle-même. Avec 10, on peut prendre 10 temps, pas plus. Qui une semaine. Pas plus qu'une semaine. Ok, 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 ok. Important, même Lucille peut demander cette question, l'auditain. Oui. Ok, présent, l'autre maladie qui nous peut traiter. Là, nous peut encore l'auditain même. Dites même. Une fatigue, une journée. Oui. Il y a des cas de fatigue. Une fatigue, une dimanche fatigué, mais quand il perd l'eau, il n'est pas à l'aise. Il n'a pas gagné sommeil. Pas gagné sommeil. Oui. Deuxième fatigue, c'est une fatigue qu'il a gagné une journée, mais quand il prend une infusion d'auditain, il dormit bien normal. Alors, il coupe ça la fatigue là. Physique, psychologique. Non, physique, physique. Physique aussi. Physique aussi, oui. OK. Parce que quand il peut faire dormir un sommeil allégé, veut dire qu'il finit cool down ou nerves. Le bon madame n'a pas l'effet, dit-il. Le bon madame qui en grossesse surtout, les autres besoins, comme on dit, toujours prendre un conseil médical. Ah, ça veut dire si vous êtes enceinte, évitez. Un peu précaution. OK. Lequel l'autre remède qui nous cause l'eau là? Nous cause l'eau un petit peu l'eau de tension forte qui va nous gagner. Oui. Un premier, comment dire, remède. Tension haut là, hein? Tension haut. Oui. Un premier remède de la case même, parce que quand on gagne tension forte, il est capable de paralyser un côté sur le corps. Oui, oui, oui. Première affaire qu'il fait, il prend sa pousse là. Il pèse, il faut. Qui côté, gauche, droite. Il peut prendre gauche, quand même droite, n'importe. Okay. Mais un de deux, il pèse, il faut pendant 3 minutes. Ou pèse ou pousse. Bien fort. Quand on jongle en l'air. Pendant 3 minutes. Pèse, il faut. Et t'as pas dit, pèse, tout pèse la force. Pèse, il peut sentir mal, il peut sentir douleur, tout. Il faut il peut faire mal. Oui, il peut penser mal. Pèse, ça pousse. Pendant 3 minutes. 3 minutes. Oui. OK. Ça un. Deuxième, il roule sur les pieds, l'eau, il a fait rond pendant 3 minutes. Deuxième affaire. Troisième, c'est un petit cuillère limon. Mais avant, il prend cuillère limon là, vaut mieux, il prend un gousse l'ail. Il prend un gousse l'ail, il crase, il avale. Là, il prend ça, un petit cuillère limon, jus limon là, il prend lui. Alors, ça, 4 petites choses là. S'il peut faire une tension fort, premier jour, il peut déjà atténuer un peu, pour baisser un peu. Deuxième jour, troisième, quatrième jour, mon expérience, c'est dans 4 jours, pour moi, je fais un temps chauffant une fois. Dans 4 jours, je sens une mine correcte. Si 16, 7, une mine 12, 7. Faudrait ou faire tout simplement quelque chose ensemble. Bien fait, Zut. Avait dit, premier, au pèse-pouce. Pèse-pouce. Pour 3 minutes. 3 minutes. Ou pendant les pieds, roule lit. Pendant 3 minutes. L'eau quoi? L'eau, elle a fait rond. N'importe. On va dire les vides, mon pas qu'on ou bien une bouteille. Les temps où vous voulez, au pèse ou là? Au pèse ou oui, oui, oui. Au pèse ou l'ipé, ou l'ipé, là, ou l'ipé, ou pour 3 minutes. 3 minutes, oui. On mange un petit gousse l'ail. Un petit gousse l'ail. Et. Envoyer un cuillère de limon. De limon, là. En dedans. Oui. Ça, 4 petites choses, là. Combien de fois vous faites? Non, une seule fois par jour. Une seule fois par jour. Oui. Mais seulement. Ou qu'à pomper les tensions, tout. Ou capable, mais si vous avez vraiment gagner une certitude qui s'abandonne à faire naturel, là, puis moi, c'est l'eau. Mais là, vous êtes détaché un peu avec ça. Détaché avec filil. Détaché un peu avec filil. Ça est pour bien si un choix personnel. Nous encourageons autres pour essayer, mais ce n'est pas obligé. Qui ont besoin de connaître aussi quoi exactement et qui niveau tension y était. Mais si vous avez envie d'essayer, voilà, M. Sounanine, donne-nous sa conseil. Nous, pas pour 3 jours, dis-moi. Pas 4 jours.
Nous ne pouvons pas déconseiller les autres qui quittent tout la médecine conventionnelle, non. Oui. Mais seulement les autres choix. Ok. Monsieur Soudan, oui. Il y a un monsieur qui téléphonait et demandait si on a un remède pour la goutte. La goutte, nous avons un remède. Un premier remède, c'est qu'il évite la viande rouge. Oui, oui, oui. Il évite la viande rouge. La viande rouge, divin, rouge, tout le monde question comme ça, divin. Red meat. Mm-hmm. Oui. Et puis, comment vous dites, moi, je suis un homéopathe. Oui. Nous préparons une médecine homéopathie. Ben l'artisan, comme on dit ici, qui peine l'effet secondaire. Mais quoi qui est capable de servir? Qui manque de plantes? En premier temps, il est capable de prendre aloe vera même. Aloe vera. Aloe vera. Il coupe sa délaise des côtés piquants là. Mm-hmm. Il tire sa tisseuse, sa couverture là-haut là. Oui, oui. Il prend ça, il frotte l'eau sur place côté dans la goutte. Ça gèle là? Ça gèle là. Frotte côté dans la goutte. Il frotte ça, il frotte, 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 il fait si, comment dire, ça peut rentrer à l'intérieur. Et il peut trouver, mais moi, ça peut sec l'eau là. Ça gèle ici. Ça gèle là, il peut sec l'eau là. Le soir qu'il fait, ça type morceau qu'il finit de couper, il cise les lits, il place les là-bas, il attache les. Laisse faire la nuit. Une cataplace. Combien de fois il fait ça par jour? Il fait une seule fois. Tous les jours, il fait ça. Tous les jours, il fait ça. Mm-hmm. Mais capable de nous garantir, en dans deux semaines, très probable qu'il aura fini. Ah bon? Mais seulement, il a fait bien important, toujours. Nous, nous, l'homme, nous ne faisons richesse, nous traiter. Mm-hmm. Mais guérison, c'est Dieu qui donne. Okay. Guérison, c'est dans la main de Dieu. Un dimanche, quand on fait 1000 traitements, mais seulement, nous avons une confiance totale qui bondit, qui donne guérison. Il danse l'armée. Il y a un des textes qui est entré, je peux regarder, et madame, Marianne, qui dit, il est perdu un peu de poids. Qui façon, de façon vite, qui est capable de faire ça? Monsieur Soudan. Oui. Pour y avoir perdu du poids, un premier remède que je donne, c'est lui prend la poudre cannelle dans de l'eau bien chaude, le matin. Après, pendant la journée, quand même 2 à 3 verres de l'eau qui est dans le jus limon là-dedans, bien chaud, il prend ça, il fait régulièrement. Il fait pendant 2, 3, 4 semaines. Toujours là, moi, pour vous dire, je fais une parenthèse. Oui. Il besoin check sur tension, attention. Attention, attention. Tension. Non, mais c'est un dimanche. C'est tension bistro. Oui, c'est un dimanche qui n'a pas grande tension. Oui. Alors, il n'a pas servi sa. Il sait sa remède. La poudre cannelle dans de l'eau bien chaude. Combien? Disons, nous ne pouvons pas dire un petit cuillère. Mais pas pour donner l'échauffement? Lili, vous connaissez, s'il peut gagner l'échauffement, il arrête lui. Il veut dire, ça remède la papier à la lit. Ok, mais c'est moi, si il y a ok avec la poudre cannelle. Capable. La poudre cannelle dans de l'eau chaude. Oui. Combien de fois par jour? Une seule fois le matin. Un. Là, il fait gilimon dans de l'eau bien chaude. Hein? Oui. 2 à 3 fois dans la journée. Il boit ça gilimon dans de l'eau. Oui. Il faut dans de l'eau chaude, ça, une fois. Non, de l'eau bien chaude. Bien chaude. Chaude? Oui. Il boit de l'eau. De l'eau chaude avec. Pèse limon là-dedans. Pèse limon là-dedans. Ouais. De la journée, des trois fois. Des trois fois, il fait dit. Kilo là, il descend. Avec un dé, si tu as fait un gros. Oui. Persil. Oui. Persil frisé. Li infuse. Persil frisé. Il y a un persil qui nous gagne. Ok, ok. Persil frisé. Oui. Alors, il est capable de bouillir quand même un litre de l'eau. De mettre une quantité raisonnable. Mettre persil là-dedans. Mettre laisse de l'eau bien bouillir. L'aller mettre persil, il est indifé. Ah, il boit ça aussi. Il boit ça aussi. Ça, il fait descendre. Ça, il fait descendre encore. Un petit remède encore. Dipin rassi. Quand l'élevain là, il mort, ça aussi, c'est l'expérience de Bandimoun qui ne fait autre maigri. Qu'on fait avec Dipin rassi? Dipin rassi là, par exemple, la stéréo dit, demain on mange dit. Demain on mange dit rassi. Ça veut dire, on peut manger frais. Quand on peut manger frais. Allez, les racines, c'est ce que les nez gourmands là. Non. Un jour, deux jours, c'est tout. Avait dit pas manger 10 pains aujourd'hui, qui cuit aujourd'hui. Comme si freshly baked. Espère 10 pains, un jour, deux jours, bien ça l'est le vin là-dedans, il évapore. Exactement. Il finit, il se parle, il mort. Ah, hein? Ça y est, il perd du poids. Il y est, il perd du poids. Ok.
nous avons encore des petites questions. Oui. D'abord, il y a un monsieur Perraudet pour sinus, sinusite. Qui vous servit? Pour sinusite, moi pour donner un remède. Vous connaissez, nous avons encore beaucoup moins les autres remèdes. Alors, c'est madame qui nous dit qu'il y en a la goutte. Oui, un monsieur qui nous dit la goutte. Un monsieur qui nous dit la goutte. Lui, pour prendre nos numéros de téléphone, c'est 250-93-29. Mm-hmm. 250-93-29. Et vous prenez contact avec nous. Comme ça, la prochaine fois, quand nous pouvons venir, nous pouvons amener une médecine homéopathie qui, pour si à travers sa remède-là, il n'est pas traité, il peut traiter avec ça. Quel est, monsieur Hazard, qui cause nos dit-ins? Un petit peu, il demande combien de branches dit-ins vous avez? Des branches. Des branches, hein? Des branches. Des petites branches dit-ins, alors, pour ça, dit monde qui texte nous demande nous. Ça, il n'y a pas quoi cause là. Pour un petit peu, il demande pour problème de circulation aussi, tout. Un problème de circulation dans la zone. So, on nous couvre ça avant de terminer. D'accord. Sinus après circulation. Sinus, pour ça aussi, je vous demande qu'il y serve black seed oil. Ah oui, une quantité vertu médicinale. Ça, hein? Il y a une quantité là-dedans. Si nous ne pouvons pas faire une émission là, c'est seulement black seed oil. Mm-hmm. Black seed oil, d'une certaine façon, il guérit. Besoin de toute bonne maladie. Mm-hmm. Ça ne vaut pas encore venir là, moi, je peux expliquer le diabète, mais puisque nous ne pouvons pas gagner le temps. Okay. Ça, c'est le trait diabète, ça. Ça est le diabète, ça. Oui, métis, ça. Fenugrec. Okay. Et ça, il traite l'asthme. Asthme. L'asthme. Ça, on appelle ça adjoine. Ça qui est bon indien, quand on mange ça. Exactement. Nous mettons dans le curry aussi. Et il est bon pour petit gaz aussi dans l'estomac. Et en plus, ça fait ça pour dire ça, ou rince dans un pasté, un passoir. Un petit pincer, le matin ou craser ou avaler, le soir ou craser ou avaler, il commence tout l'asthme. Il souffle sa tube respiratoire à l'intérieur là. Ok. Et sinus qui nous servit? Sinus nous prend une petite cuillère black seed oil le matin dans la boisson chaude, car il est capable d'y aller, capable dans de l'eau chaude même. Le soir aussi, il fait pareil. Mm-hmm. Plus, il prend un peu d'affaires chaudes, tel que thermogène chinois. Il passe un petit peu là, il met un petit peu là, de côté là, avec un petit peu l'eau sur la nuque. Mm-hmm. Plus, il peut prendre contact avec nous si au cas ça pas de travail. Vous connaissez, un médicament, parfois, travaille loin du monde vite, loin du monde par rapport à sa résistance, il t'a dit. Okay. Alors dans ce cas, nous pour préparer, nous pour engager, nous pour préparer une médecine pour sinus, pour lui et pour prochaine fois quand nous peut venir de Bougaini. C'est mon petit black seed oil. Il est bien aidé. Il est bien aidé. Ok. Oui. Dernière circulation. Circulation du sang. Oui. Il passe, circulation normale. Mon père qu'on a dit ça dit mon texte demande qui. Allez right. Si circulation pas normale, c'est qu'il est besoin faire. Il est besoin éviter la fraîcheur. Il faisait tente pour examiner une place côté un peu moins frais, normal, un peu chaud. Il n'y a pas besoin. Il faisait mettre un peu de linge, un peu chaud. Et s'il sentit un peu engourdissement, oui. Il faut besoin faire un peu massage rapide, chaud, il chauffe. Comme s'il garde la jambe chaude. Il garde la jambe chaude. Oui. Aster, 10 000 pour aider encore là-dedans, parce que 10 000 a fait chaud ça. Mm-hmm. Il faut aider pour sa circulation. Okay. Mais avec ça, nous vous demandons qu'il fait pas l'exercice régulièrement pour qu'il se dise si qu'il est normal. Ok. Dernière chose avant de laisser aller. Oui. Pour diabète. Oui. Un dimon. Oui. Brefement pour diabète. On cause le diabète. Brefement, oui, mais c'est moi maintenant 6-7 remèdes. Allez, vous parlez un peu bien bref. Oui, oui. Si l'on vit très diabète, nous avons connu une affaire. Il y a un seul type de diabète. Il y a plusieurs types de diabète. Si les temps les PCVs, c'est un remède naturel qui nous donne là. Mm-hmm. Là, les bobisans, l'eau, c'est un affaire comme metformine, c'est pas chose mais, conventionnelle. Mm-hmm. Nous redire, nous pas peut défendre du monde, mais c'est moi, option là, il là. Si l'on trouve, il peut gagner ce traitement avec des affaires naturelles. Toujours des affaires naturelles, comme on peut dire là, c'est qu'il n'est pas pour un métier. Tous les jours, il vous prend, il tout, il vous prend en pimpé.
le soir. Qu'est-ce que c'est ça? Métis. Tremplez le soir en la matière cuillère, s'il vous plaît. Métis. Profonde-toi, terre. Métis. Métis. Li met la matière cuillère, s'il vous plaît, tremper dans une petite goutte de l'eau le soir. Yvan ici, là? Oui, Yvan. Maintenant? Yvan. Qui bon, que carré? Non, ben, la boutique indienne. Qu'est-ce que tu allez? Je demande métis. Qu'est-ce que tu as dit, n'est-ce pas? On compte bien ici, ou? Assez bien. Alors, il prend un métis. Matière cuillère, il met tremper dans de l'eau le soir. Mm-hmm. Matin, il prend la graine là, il met dans la bouche, il crase. Okay. Il avale ça de l'eau là. Mais il ne prend pas ça tous les jours. Mm-hmm. Le lendemain, à cette heure, calipilé, comme vous dites ici, nous disons caripoulé. Oui. Il prend 9 à 11 feuilles le lendemain, deuxième jour. Un troisième jour, il prend un petit lalo, il coupe, il met macéré le soir. Qu'est-ce que ça veut dire, macérer? Macérer veut dire nous coupler, nous laisser dans de l'eau tremper. Laisser le soir. Mettre tremper. Pas effusé, hein? Non. De l'eau normale, température, la somme. Exactement. Mettre le tremper. Un lalo. Grand matin, vous couplez ou vous laissez tremper dans de l'eau. OK. Le matin, vous passez dans une passoire, mm-hmm. vous boire ça la glie là. Mm-hmm. Ça veut dire ça résidu là, mm-hmm. au bois lit. OK. Ça veut dire bagasse la l'eau pour l'un côté, mm-hmm. son gil la l'eau pour rester au bois lit. C'est le troisième jour ça. Oui. Quatrième jour, il est capable de prendre un bagage, il rappelle, il prend son jus. Maman, ça, on va vous capable. Mais, un peu, ben, Il y a Merli. Mais tout bas, fait amer, vous êtes capable, généralement, très diabète. Mais hein. Un plus grand cadeau, et ici, mon tour, ben, pieds en blanc, il y en a pieds en blanc, mm-hmm. assurément, vous avez un fruit aussi. Oui. Fruit là aussi bon, la graine là aussi bon, et ce petit feuilleton qui sort de temps en temps. Oh, quand sont les quais, là. Oui, exactement, trois petits feuilles là, qui vous trouvez là. Oui, oui. Vous êtes capable de faire dans une semaine, une fois ou bien deux fois. On finit avec 4-5 remèdes là. Qui vous fait avec ça petit feuille? Petit feuille là, vous rince-le, vous mettez dans la bouche, vous crasez ou avalez. Vous pouvez faire aussi? Non. Vous crasez ou avalez sur l'efficacité plus. La graine semblant. La graine semblant, vous êtes capable de blender-le. Uh-huh. Après, vous infuse-le ou boire. Il est bon pour diabète. Il est bon pour diabète. Mm-hmm. Monsieur Soudan, nous t'avouerons, à cause dans les autres textes, malheureusement, nous n'avons pas le temps, il y a les autres conditions qui vont nous demander. Oui, mais si c'est un fin de mot, oui. Puisque, comment dire, bon Dieu, il donne nous tout ce bon d'affaires naturelles là, est-ce qu'il nous paye un devoir envers ce Dieu là? Bon, pour terminer dans une citation de Jésus, que la paix soit sur lui, il dit, si on a envie d'être reconnaissant envers Dieu, you shall worship one God with all your faith, all your strength, all your spirit. Mm-hmm. You shall not worship idols, photos, statues. Mm-hmm. Je souhaite, je fais la prière, qui compte de nous autant de choses. Tout au moins, nous remercier à travers la prière. Monsieur Soudan, merci beaucoup pour venir. Merci. Dans les autres textes, malheureusement, nous ne sommes pas capables de demander ça, monsieur. Par exemple, il y a des gens qui disent que vos épaules font mal, tout ça là. Mais nous apprécions ce moment que vous venez avec nous et nous remercions. Merci beaucoup. Merci. Pareil pour aussi. Oui. Nous remercions la SBC oui. beaucoup pour une invite nous. Merci beaucoup. Et nous souhaitons qu'ils nous regagnent l'occasion encore, nous là jusqu'à 2-3 semaines encore. Oui.